Salut Moussaillon, bienvenue dans cette deuxième vidéo où je te montre comment faire un calcul de marée. Si tu n'as pas vu la première partie, bah écoute, je te recommande d'aller la voir parce qu'en fait j'introduis pas mal de notions et de connaissances importantes pour faire son calcul de marée. Et puis bon, il y aura peut-être quelques termes que tu ne connaîtras pas si tu n'as pas vu le premier épisode. Bref, va la voir. Va la voir si tu penses que c'est nécessaire, évidemment. Et nous, on enchaîne directement sur le calcul de marée. Et sur ce, bah écoute, je te dis quand même, abonne-toi, mets un pouce bleu si tout ça te plaît. Et on enchaîne directement sur le calcul de marée. Ça te va, toi? Bah super, bah c'est parti. Donc dans la précédente vidéo, on avait utilisé les horaires de marée du jeudi 26 octobre 2023 à Saint-Malo. Et bien écoute, je vous propose de reprendre ces mêmes horaires-là pour faire nos calculs de marée, tout simplement. Ça te convient, toi? Évidemment, n'hésite pas à poser des questions hein, en commentaire, parce que j'ai l'impression que tu ne parles pas beaucoup. Je vous propose donc de faire le calcul de marée pour la marée descendante entre 5h53 et 12h40. Alors, je vois que c'est une marée descendante parce qu'on passe de 10,94 mètres à 2,61, donc évidemment, il y a moins d'eau. Et donc, en fait, notre objectif, pas celui-là, hein, évidemment, notre objectif à nous, va être de tracer cette droite-là. Vas-y, je te montre ça. Donc, notre objectif, c'est de tracer cette droite-là. Vous voyez ici, on a la hauteur d'eau. En abscisse, on a le temps. Et donc, on va pouvoir lire à tout moment de la navigation la hauteur d'eau qu'on a aux alentours de Saint-Malo. Et donc, par exemple, pour ne pas savoir si on a assez d'eau pour passer au-dessus d'un caillou ou pour rentrer au port, sortir du port. Voilà. Donc, on va faire ce calcul ensemble. C'est moi qui vous le dis. Tout d'abord, on va commencer par déterminer la durée de cette marée. Bon, entre 5h53 et 12h40, il s'écoule 6h et 47 minutes. Bon, là, pour trouver le bon compte, il suffit de rajouter des heures et des minutes et le compte y est. Ensuite, on va déterminer les heures marées. Bon, je vous dis pas maintenant à quoi ça sert, vous allez voir très vite à quoi ça sert, mais pour les trouver, il suffit de diviser par 6 cette durée. Donc là, à ce moment-là, chacun sa méthode. Vous pouvez convertir 6h47 en minutes, donc ça donne 407 minutes. Et ensuite, vous divisez tout par 6 et vous arrivez à 68 minutes. Ensuite, on revient en heure et ça fait 1h08. Voilà, on se permet d'arrondir un petit peu parce que comme je vous ai dit, on n'est pas à la seconde près, on n'est pas à la minute près non plus. Et maintenant, on peut faire un petit tableau pour vérifier que notre calcul a bien été fait. Donc en fait, on part du début de la marée à 5h53 et on va rajouter 1h08. Et vous verrez, on est censé retomber à 12h40 si on a bien fait notre calcul. Et vous verrez que ce tableau, il va nous servir par la suite. Donc, on fait ça tout de suite. 5h53 plus 1h08, on arrive à 7h01. Ok, c'est super. Voilà, on a réussi à avoir un joli tableau. Ça fonctionne bien, on a vérifié. Mais à quoi ça sert? Ah, bonne question. Peut-être qu'on aimerait avoir la réponse. Eh bah oui, en fait, ça sert bien à quelque chose. En fait, il faut savoir que la marée monte et descend pas toujours à la même vitesse. En fait, à certains moments, on atteint l'étale, c'est le moment où on arrive en basse mer ou en pleine mer. Donc là, par exemple, dans notre cas de marée descendante, en fait, à 5h53, elle va commencer à descendre, mais très lentement. Ensuite, au milieu de la marée, elle va descendre de plus en plus vite. Et ensuite, quand on va se réapprocher de la basse mer, elle va commencer à ralentir et à descendre de moins en moins vite. Donc en fait, si on traduit ça graphiquement, ça va donner une courbe sinusoïdale. Voilà, donc je vous en affiche une comme ça à l'écran, si vous ne voyez pas ce que c'est une sinusoïde, pardon. Et donc évidemment, bah, nous, pour tracer une sinusoïde à la main, en plus en navigation ou je sais pas quoi, ou tracer une sinusoïde, c'est très compliqué. Nous, on préfère que ce soit une droite, n'est-ce pas? Et donc, pour faire ça, on a une astuce, évidemment, les choses sont bien faites, on va appliquer la règle des douzièmes. Et avec cette règle, on va simplifier cette variation de vitesse de la marée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 12 le marnage. Donc je vous rappelle, c'est la différence de hauteur d'eau entre la haute et la basse mer dans notre cas. Donc on va le diviser par 12, et en fait, on va dire que à la première heure de marée, vous savez, on est au moment de l'étale, donc la marée va descendre doucement, et on va dire que pendant cette première heure de marée, la marée va descendre de 1 douzième. Ensuite, à la deuxième heure marée, ça va commencer à s'accélérer, et donc ça va descendre de 2 douzièmes. À la troisième heure marée, ça s'accélère encore, et on descend de 3 douzièmes du marnage. À la quatrième heure, 3 douzièmes encore. 3 douzièmes encore parce qu'on a passé la première moitié de la marée et on s'approche de la deuxième. Et donc à la cinquième heure marée, on descend de 2 douzièmes. Et à la sixième heure et dernière heure de marée, on arrive à l'étale et donc la marée ralentit beaucoup. Et donc on descend plus que de 1 douzième. Et donc grâce à cette règle, on va réussir à avoir une droite
Et je vais vous montrer tout de suite comment ça se traduit sur la feuille. Tu n'es pas très stable sur tes appuis. Une main pour soi, une main pour le bateau. Tu n'es pas très coopératif, Cannabis. Donc, évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une feuille à petits carreaux. Là, j'utilise une énorme feuille hein, pour faire mon calcul, c'est pour que ce soit plus visible. Mais généralement, ce qu'on utilise, c'est un petit cahier à petits carreaux, enfin, ce que j'utilise personnellement. Et ensuite, parfois, vous avez aussi des livres de bord où ça intègre des feuilles pour faire votre calcul de marée. C'est les goûts et les couleurs. Hein. Donc, on est bon, c'est bon, t'es bien installé, c'est bien, impeccable, tout le monde est content. Bon, ce qu'il vous faut, c'est une règle, évidemment, pour tracer votre repère. C'est un peu plus compliqué avec toi, mais tant pis, on va faire avec. Donc, hop, on trace les ordonnées. Ici, donc, ça sera la hauteur d'eau, tout simplement, en mètres. Et en abscisse, ça sera le temps. Je fais une ligne pas droite. Vous ferez mieux que moi, évidemment. Je suis un petit peu dérangé. Ce qu'on va faire, à gauche, c'est de mettre les hauteurs d'eau, déjà. Donc, on sait que, par exemple, notre marée va entre... Elle va entre quoi ? Que notre hauteur d'eau, elle bascule entre 2 mètres et 12 mètres. Donc, c'est important d'aller au moins jusqu'à 12 mètres. Parfois, on fait des calculs de marée sur plusieurs marées consécutives. Donc là, on commence par 0. Alors, la question, c'est est-ce que vous savez compter, quoi ? Alors, vous n'êtes pas obligé, évidemment, de tous les faire. Hein. Moi, je le fais pour que ce soit visuellement plus joli. J'ai bien gradué mon ordonnée avec mes hauteurs d'eau. Donc, maintenant, je vais diviser toutes mes ordonnées, donc c'est le truc qui est en bas, par 12, hein, pour appliquer mes 12e. Je fais une petite graduation. 12. Pour moi, ça fait 4 carreaux, mais je divise tout ça en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Bah, j'ai mal préparé mon truc. Voilà, bah, bravo, ça tombe ici. Bon, très bien, bon, ça fonctionne quand même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est reporter les petites données là qu'on a fait avec notre tableau des horaires de marée en bas, en appliquant la règle des 12e. Donc au début, notre marée, elle commence à quoi ? À 5h53. Et ensuite, on avance d'un 12e. Parce que voilà, on est au moment de l'étale, donc au moment où la marée commence à descendre, elle descend tout doucement, donc 1 douzième, et donc on rajoute 1h08, et on avait trouvé 7h01. Ensuite, la marée continue de descendre, mais un peu plus vite. Donc, on passe à 2 douzièmes. Donc, on fait 1, 2, voilà, on saute 2 graduations. Donc, on arrive à 8h09. Impeccable. Maintenant, la marée continue de descendre, de plus en plus vite, 3 graduations. 1, 2, 3, 3 douzièmes à 9h17. Ensuite, on arrive sur la deuxième partie de la marée. La marée, donc on continue sur notre 3 douzième. Ça commence à se stabiliser. 1, 2, 3, 10h25. On rajoute toujours 1h08, hein, qui est notre heure marée. Ensuite, on avance de 2. 1, 2, 2 douzièmes. Voilà, c'est on commence à s'approcher de la fin de la marée. 11h33. Et à la fin, sur notre dernière graduation, on termine sur 12h40. C'est pas très joli, moi, à la fin, mais vous ferez mieux, hein, j'ai confiance. Et voilà, donc c'est bon, on a bien préparé nos deux axes, donc en respectant bien la règle des 12e, 1 12e, 2 12e, 3 12e, 3 12e, 2 12e, 1 12e. C'est super, c'est tout bon. Et donc maintenant, il ne manque plus qu'à tracer la droite, et donc pour tracer une droite, il nous faut juste deux points. Et ces deux points, on les a grâce à notre horaire, à nos horaires de marée. Donc à 5h53, donc au tout début, ici, à 5h53, on est à 10,94 mètres. Donc, on monte et on arrive à 10,94. C'est bon, tu vois bien ? Ouais, tu vois super bien. C'est super. À 10,94. Bon, allez, on va faire un plus gros tchac. C'est pas très précis, mais c'est plus gros. Ensuite, on sait qu'à 12h40, on a 2,61 mètres. Donc, on arrive tout au bout de mon graphique. Super, voilà. Donc, je sais que 2,61, c'est par ici. Ensuite, je reporte ça à cet endroit-là. 1, 2, 2,61 là. Hop, super. Et donc, j'ai un point ici, un point là. Je prends ma règle. Bon, là, j'ai une règle de cras, hein, mais vous voyez bien que ça marche avec n'importe quelle règle. Règle de cras qu'on apprendra à utiliser dans une autre vidéo, évidemment. T'es pas très pratique, toi, genre... ouais, non, t'es pas très pratique. On apprendra à utiliser un autre setup la prochaine fois. Bon, je vais le tracer en bleu. Ça sera tracé en rouge. Et voilà, on a nos droites, c'est tout bon, c'est impeccable. Bon, maintenant, évidemment, là, on est content, mais ce qu'on veut, c'est réussir à exploiter cette droite. Donc, on va prendre un exemple. On regarde la carte et, par exemple, on voit qu'à la sortie de Saint-Malo, il nous faut 7 mètres en plus, 7 mètres de hauteur d'eau, pour passer au-dessus d'un caillou. Donc, on sait que la marée descend et qu'on se dit jusqu'à quelle heure on peut passer au-dessus de ce caillou. Eh bien, c'est tout simple. On prend 7 mètres, hop. On remonte. Bon, je fais des petits traits hein, pour que ce soit visuel. Mais évidemment, quand vous faites votre lecture, vous n'êtes pas obligé de faire les tracés, forcément. Hein.
Parfois, juste, là, vous mettez votre carte, votre règle, boum, tchac, vous la mettez bien, hein, ici. Bon, c'est là qu'on voit qu'une équerre, c'est quand même pratique. Avec la règle de Cras, on peut trouver des moyens de faire équerre. Vous avez l'idée. Ensuite, je rencontre ma droite ici. Donc, je descends. Bon, je pourrais suivre le trait, je descends un petit peu avant, là. Hop. Et donc, ici, voilà. Bon, voilà, du coup, c'est tout bon. Je viens de réussir à avoir mon point sur la courbe. Maintenant, il faut juste déterminer à quel horaire ça correspond. Là, regardez-moi pour retrouver ça. Ce que je remarque, c'est qu'il y a 12 carreaux entre 8h09 et 9h17. Du coup, je fais 1h08 parce que c'est mon heure de marée divisé par 12. Bon, j'ai fait les calculs avant. Je sais que grosso modo, du coup, un carreau, ça correspond à environ 6 minutes. Voilà, donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets, je vois que ça arrivait un peu avant, boum, 6 minutes, allez, 9h10. Et donc, j'ai trouvé mon horaire à 9h10. Et donc, ça veut dire que je peux passer au-dessus de ce caillou avant 9h10. Après, il sera trop tard et je devrais passer à côté. Voilà, merci le calcul de marée. Et maintenant, petit esprit critique. Bon, désolé, je parle plus à cette caméra maintenant qu'à ici. Mais bon, coucou quand même. Donc, en fait, dans le tracé que j'ai fait avant, j'ai trouvé 9h08 et pas 9h10. Donc, 2 minutes de différence. C'est pas très grave, vraiment, parce qu'en navigation, en fait, comme je vous l'ai dit, on prend un pipilote. On prend de la marge. Et donc, c'est pas à 2 minutes près qu'on passe au-dessus d'un caillou. Évidemment, veillez à ce qu'il n'y ait pas trop d'imprécision, parce que sinon, à un moment, voilà, le pipilote, ça va commencer à devenir un peu rase-mode, peut-être. Et voilà, écoutez, vous savez tout. Impeccable, toi c'est bon, tu peux t'en aller. Et maintenant on va vérifier que vous avez bien tout écouté, bien tout suivi, et vous allez faire un petit exercice. Donc sortez une feuille, sortez un crayon, interro surprise, interro moyennement surprise d'ailleurs parce que je vous les avais prévenus. J'espère que vous avez révisé. Donc je vais vous donner les intitulés du contrôle du jour. Donc évidemment c'est ultra important de faire ça soi-même, hein. Il faut en faire plusieurs avant de bien maîtriser la chose. Et puis quand vous êtes sur un bateau, je pense que vous avez plus envie de profiter que de passer 4 heures sur la table à cartes à faire un calcul. Bref, nous sommes le samedi 28 octobre 2023 au port des Sablons à Saint-Malo. Et on veut partir le plus tôt possible pour une grande journée de navigation. Supposons aussi qu'on est très matinal. On est très matinal, n'est-ce pas? La question que je vous pose, c'est à partir de quelle heure pouvons-nous partir ce matin? Bon, bonne question. Vous vous renseignez alors sur les horaires de marée et vous obtenez ceci. Vous pouvez prendre des notes, évidemment. Maintenant, vous savez que notre voilier a seulement 1,2 m de tirant d'eau grâce à sa quille relevable. Le tirant d'eau étant l'enfoncement du voilier dans l'eau. Mais même dans mon énoncé, je vous l'ai rappelé, je suis vraiment trop sympa. Et je vous demande de prendre 1 mètre de pied pilote pour être tranquille. Donc je vous donne même le pied pilote. Évidemment, dans le cas de figure que je vous présente, les plus aguerris pourront prendre 30 cm de pied pilote, mais je m'en fiche, dans mon exercice, c'est 1 mètre de pied pilote pour tout le monde. Donc vous regardez votre carte, et vous vous renseignez sur le port, vous voyez que vous avez qu'une seule contrainte. À l'entrée du port, ou à la sortie plutôt, puisqu'on s'en va, il y a un seuil découvrant de 2 mètres. C'est-à-dire qu'à la plus basse des marées possible, le seuil ressort de 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Problématique ça quand même. Maintenant que vous avez toutes les données, est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure on peut sortir du port en respectant tout ça? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question et un bon exercice. Vraiment, je vous conseille de le faire chez vous. Là, vous n'avez rien à chercher, vous avez toutes les données. C'est incroyable, vous prenez une feuille, voilà, petit carreau, poum, vous faites ça tranquillement. Je vous mets la réponse en commentaire. Dites-moi ce que vous avez trouvé. Voilà, c'est pas grave si vous avez trouvé exactement la même chose, hein. Comme je vous ai dit, on n'est pas à la minute près. Si vous voulez avoir plus de détails sur mes graphiques, sur mes calculs, je vous mets tout ça sur mon compte Instagram et sur Facebook, donc les topos d'un boc. Je le fais afficher quelque part, comme ça, vous pouvez retrouver. Et je vous mets les liens en description, évidemment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, évidemment. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon vent. Ciao, ciao.